depuis que le festival a commencé. Bon, on sent vraiment un peu qu'il y a un peu d'étrangers, mais pas comme les autres années, quoi. Pas comme les autres années. Donc, pour le moment, sur le plan commercial, bon c'est un peu difficile parce que, bon, on a un peu de visiteurs, mais vraiment pas comme les autres années. Vraiment, c'est un peu compliqué pour cette année, quoi. C'est un peu compliqué. Mais vraiment, bon, on est très content parce que le festival a eu lieu et vraiment, bon, ça nous a attiré au moins un peu d'étrangers. Et ça fait longtemps vraiment que le Burkina Faso a eu vraiment des manifestations de cette envergure. Donc vraiment, ce qui nous réjouit, c'est ça. Sinon, bon, sur le plan commercial, c'est un peu difficile. Bon, mais comme on a un peu de visiteurs qui viennent, bon, qui disent, bon, d'ici la fin de leur séjour, ils passeront nous prendre quelques pièces. Ça nous fait vraiment plaisir aussi, quoi, de pouvoir avoir des étrangers, de discuter avec eux. Sinon, parce que depuis 2 ans, c'est silence mort, quoi. Donc c'est ça le problème. Mais vraiment, on rend grâce à Dieu. On espère vraiment que le gouvernement aussi fera des efforts pour que les prochaines, la prochaine fois, les autres éditions du FESPACO, du CIAO, de la Semaine internationale de la culture puissent avoir lieu, quoi. Parce que bon, il faut qu'on essaie de vivre avec la maladie, parce que bon, c'est difficile pour nous les artisans, très très difficile. Et nous qui sommes dans le domaine de l'artisanat, du tourisme et de l'hôtellerie, vraiment nous souffrons beaucoup. Vraiment nous souffrons beaucoup.